Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous montrer la caillou avec tout ça qui a dominé l'actualité football là. Et nous avons commencé dans le pays de l'Angleterre avec Journal ça qui fait connaître que l'équipe Manchester United là vraiment intéressée avec Kylian Mbappé pour venir remplacer Cristiano Ronaldo. Et bon, côté pas dans le pays de la France, il y a Journal ça qui vient avec une très mauvaise nouvelle pour Christophe Nkunku lui-même qui déclarait forfait pour Coupe du Monde là. Le dossier Cristiano Ronaldo dans le pays Portugal, il y a sauté et notamment Journal ça qui fait connaître que l'ICAB fait effet sur la sélection Portugal là. Dans le pays l'Espagne avec déclaration Pedri lui-même qui fait qu'on est que oui au club remporter mondial là. Et nous parlons dans le pays l'Italie avec Jonas Sarr qui vient sous Marcus Thuram qui vraiment intéressé équipe Juventus de Turin et qui t'a supposé rejoindre. Nous avons dans le pays l'Espagne avec déclaration Eden Hazard sur futur et surtout sur avenir l'équipe Real de Madrid là. C'est une vidéo qui vient tout ça qui a dominé actualité football là, mais c'est après pause en avenir avec tout le détail pour. Mes fanatiques football, on a commencé la revue de presse dans le pays l'Italie avec le journal Papier Rose là qui c'est Gazzetta dello Sport qui vient avec déclaration exclusive de milieu de terrain français. Nous voulons parler de Adrien Rabiot, mais il fait quoi que l'Icouen dans ce coup d'étoile malgré que l'équipe Napoli a gagné 10 points d'avance sur l'équipe Juventus de Turin. Rabiot qui était allé pile dans la déclaration pour le fait qu'on est qu'avec le retour de Federico Chiesa et notamment Paul Pogba pour la Juventus de Turin en mois de janvier, l'Icouen qui a récupéré Eka qui avec l'équipe Napoli. Et bon, côté par Ligue Journal Tuto Sport, Liam qui vient avec déclaration ancien agent français. Nous voulons parler de Lilian Thuram qui va intéresser l'équipe Juventus de Turin. Mais il fait connaître que Juventus Thuram ou ta doit y aller. C'est joueur qui fait partie de l'équipe de France là, et notamment joueur Sali même qui a déjà confirmé talent dans l'équipe Borussia Mönchengladbach. Et même pour ex-agent, Lilian t'a supposé aller dans Juventus de Turin. Il était même allé plus loin pour le faire connaître tout. Et mais ça, c'est une occasion en or que Lilian Thuram pas t'a supposé rater. Bon, côté par Ligue Journal Courrier de le Sport Liam qui vous avertit tout club qui t'a intéressé avec Duo Napoli. Nous voulons parler de Kvara et notamment Victor Osimhen. Mais sous le journal ça, il fait qu'on est que Kvara avec Osimhen, c'est à 200 millions d'euros qu'un club t'a supposé débourser pour aussi t'arriver un service de joueur ça. Mais un barrage qui apparaît difficile puisque l'équipe Manchester United là vraiment intéressé avec Osimhen et il y a plusieurs autres clubs, notamment Liverpool qui est intéressé avec Kvara. On va aller dans le pays de la France, plus particulièrement avec le journal L'Équipe qui mettait à la une Qatar, l'errance d'Arabie. Le journal La Calé, plus un peu grave, dit en attribuant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la FIFA a soulevé une tempête de protestation en Occident. À 4 jours du match d'ouverture, L'Équipe raconte comment se prépare cette première Coupe du Monde dans un pays musulman. À 4 jours d'ouverture, Coupe du Monde, là, toujours gagné des protestations qui a fait parce que Qatar lui-même, c'est lui-même qui parle organiser Coupe du Monde, là. Journal là tout qui vient sous équipe de France là, notamment avec une très mauvaise nouvelle pour Nkunku lui-même qui était fait partie de l'équipe là et qui obligé de déclarer forfait. Quand elle t'a entraîné avec sélection française là, non duel avec Kamavinga et bien Nkunku lui-même qui blessé dans le genou et qui obligé de déclarer forfait. C'est pas attaquant équipe Eintracht Francfort là, nous voulons parler de Kolo Muani qui va le remplacer. Nous allons écouter dans le pays l'Espagne et nous allons commencer avec Journal Marca qui vient avec une interview exclusive de Madrilène. Nous voulons parler de Eden Hazard. Et qui fait qu'on est que, eh bien, dans l'été qui a venu là, si l'équipe Real de Madrid m'a demandé pour quitter le club là, m'a obligé de quitter le. Il voit un message à tout fanatique équipe Real de Madrid également pour le faire qu'on est que, eh bien, moi tenter toute bagaille, n'a excusé, mais ça n'a pas marché. International belge là qui peut gagner un moment pour relancer la Coupe du Monde ça avec sélection Belgique là. Nous allons aller avec Journal Asnem qui mettait à la une, oui, nous capables. Belle venue avec déclaration Luis Enrique qui s'est sélectionné équipe espagnole là pour le faire qu'on est que, eh bien, nous capables gagner la Coupe du Monde ça. Et notamment déclaration Koke lui-même qui fait partie de sélection qui fait qu'on est que mondial c'est groupe qui gagne et bien nous c'est un groupe qui est très solide. Sélection qui déjà atterri dans le pays Jordanie côté le jouer un match amical avant que le club affronte Costa Rica dans le premier match pour mondial là. Et le journal pour Catalan, nous voulons parler de Mundo Deportivo dans la version catalane qui mettait déclaration Pedri qui fait qu'on est pourquoi pas. Mais jeune joueur qui FC Barcelone où il est possible pour sélection espagnole là capable de gagner mondial ça. Mais il y a deux autres équipes qui favorisent, qui c'est Brésil avec l'Argentine. Le terrain, sélection espagnole, l'a fait qu'on est que l'équipe là-bas va toutes les mêmes pour le comment Carab une façon pour gagner le mondial ça. Mais pour Carab gagner le mondial là, il y a une âme létale selon le journal Sport lui-même qui c'est Ansu Fati. Le journal là qui a les plus pour le faire qu'on est Luis Enrique qui convoqué joueur équipe FC Barcelone plus que le Coel capable de faire une meilleure attaquant et surtout un attaquant de référence dans la sélection. Hein. Bon, côté par Ligue 1, journal ça lui-même qui c'est l'Esporting dans la ville catalogue qui mettait à la une loin de la vitrine. Le journal là qui venait avec liste des superstars même qui pas participé dans le mondial ça puisque le club n'est pas qualifié. Si bien pile joueur qui n'est pas qualifié, notamment Erling Haaland, Salah, Mahrez, mais il y a plusieurs joueurs malgré que l'équipe qualifiée n'est pas capable de participer.
Le journal là qui vient avec des noms comme N'Golo Kanté, Lo Celso et notamment Diogo Jota pour sélection portugaise là. Nous allons écouter ce dossier Cristiano Ronaldo dans le pays Portugal qui passe ce moment fait polémique notamment avec le journal Ojogo qui fait qu'on est que Eric Ten Hag a déjà metté une signature et notamment qui a griffé non Cristiano Ronaldo dans l'équipe Manchester United là. Mais selon le journal ça, Eric Ten Hag avec Cristiano Ronaldo c'est fini. Le journal Lapto qui vient avec une polémique puisque Jean Tedoussa hier il fait qu'on est ces Bayern de Munich qui ont hypothèse dans le marché pour moi de janvier qui a venu là. Bon, côté par les journal record qui vient sous Cristiano Ronaldo également pour le faire qu'on est que Cristiano Ronaldo au centre des attentions. Mais polémique là, il est vraiment préoccupé sélection Portugal là. Mais quand même, il y a un crack là, il qui déclarait que il y a une équipe pour capable gagner mondial ça avec sélection Portugal là. Bon, côté par les journal Abola lui même qui vient avec un autre dossier positif sous polémique Cristiano Ronaldo a pour faire connaître que depuis après interview ça Cristiano Ronaldo qui prend environ 500 000 abonnés sur Instagram juste pour confirmer que et si polémique ça lui fait un pile malheureux mais il y a un pile monde qui a appuyé Cristiano Ronaldo dans cause là. Nous allons écouter dans le pays l'Angleterre et n'a commencé avec Daily Mail lui même qui mettait à la une nous prêts pour nous capables décoller. En effet, Gareth Southgate qui s'est sélectionné anglaise là lui-même qui fait qu'on est que il prêt pour le club faire toute nation fière de équipe ça. Et c'est même promesse ça tout que Harry Kane lui-même lui fait avec tout peuple anglais pour le faire qu'on est que il prêt le faire fier pendant mondial ça. Bon, côté parler tout mais c'est déclaration ça qui fait là une journal Daily Express lui-même qui fait qu'on est que Harry Kane c'est tout en or. International anglais lui-même qui fait qu'on est que il prêt pour le club bien sélection anglaise là vers la gloire dans le pays Qatar. Mais ça qui plus intéresse nous sur journal ça c'est une information mercato lui-même côté journal la fait qu'on est Manchester United li prêt pour Kylian Mbappé dans le mois de janvier qui a venu là. Journal là qui fait qu'on est que Kylian Mbappé qui c'est numéro 1 target pour équipe Manchester United là qui prêt pour le cap mettre 150 millions livres sterling sous table là pour international français hein. C'est une information qui fait la une dans tout journal notamment avec Daily Star lui-même qui mettait à la une Manchester prêt aller pour Kylian Mbappé. Mais même qui voulait pour Krab remplacer Cristiano Ronaldo qui sur le départ dans le mois de janvier à part international français qui prêt pour Krab payer même environ 500 000 euros par semaine. Le journal là qui fait qu'on est toujours prêt pour Krab mettre sous table là by équipe Paris Saint-Germain 150 millions livres sterling soit environ 171 millions euros. Il était pour est-ce que l'équipe Paris Saint-Germain pral voulait vendre Kylian Mbappé avec prix ça et notamment est-ce que international français est intéressé par club mancunien. Étant donné nos mercato et on a tout rivé avec et journal ça lui-même dans pays l'Espagne qui fait qu'on est un assaut pour Bellingham après Qatar là. Et après Coupe du Monde, ça a plusieurs clubs qui intéressés ensemble avec lui. Ça qui fait que l'équipe Borussia Dortmund a demandé pour le positionner après Mondial là. Si Borussia Dortmund a préparé pour le demandé pour le positionner, sous qui ça voulait faire à l'avenir. Mais il y a plusieurs clubs qui intéressés ensemble avec lui, notamment Real de Madrid, Manchester City, équipe Manchester United là et équipe Chelsea. Là. Un gros merci spécial avec tout le monde qui regarde la vidéo ça arrive jusqu'à la fin et un merci spécial tout avec ou même qui déjà partagé vidéo ça sur toute groupe sur Facebook là. Quant à pour nous même Abdou à la prochaine vidéo que bon Dieu bénisse chaque monde qui t'a regardé vidéo ça.